Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses. On se retrouve aujourd'hui pour deux courriers que j'ai reçus là pendant qu'on était parti en Bretagne. Alors le premier, je savais qu'il allait venir. Il me vient de Sabella, hein, de la chaîne Sabella Fantasy. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Parce que Sabella, elle a fait un petit concours avec des tampons à gagner. Et ben ça, c'était. J'ai eu beaucoup de chance, c'est tombé sur moi. Alors, oh là là, pas mis que des tampons à mon avis. Oh là là, oh Sabella. Alors, bon. Alors. Je vais mettre tout ça ouais, à côté. Je vous montrerai après. Alors, là, oh, c'est joli. Elle a fait ça avec de la cire. Regardez, c'est du papier cadeau. Alors, elle a fait comme si c'était une chemise. C'est super beau. Elle est venue mettre des petites paillettes avec des fleurs. Ah, il y en a en feutrine, en mousse. Je connais pas du tout. Mais ça m'ennuie de casser ça. C'est trop beau. Attendez. Je vais voir si je peux arriver à le défaire sans le casser. Parce que c'est vraiment trop beau, quoi. Hop. Voilà. Oh, c'est trop, trop joli. Alors. Je pense que les trucs sont dedans. Alors, oh, elle m'a fait. Regardez, c'est un tablier. Oh, c'est trop mignon. C'est son petit mot. Alors, par contre, parce que, ah bah oui, je voudrais bien voir comment qu'elle a fait ça. Ah oui, elle les a. Il y a d'autres épaisseurs dessous. Non, je vais pas arriver à faire ce que je veux. Collé. Bon, voilà, tant pis, je vais essayer de les sortir. Alors, je savais là, je suis pas retournée voir la vidéo parce que sur le moment j'étais contente, mais j'en ai parlé à mon mari. Je dis j'ai gagné des tampons, mais après, je me suis dit peut-être que comme j'ai fait des partenariats chez Globeland pas mal aussi à un moment. Voilà, ah, oui, c'était scotché là, d'accord. Alors, bon, je vais ouvrir, tant pis. Ah oui, elle a collé. Bon, je vais les garder, les petites fleurs. Je vais les garder. Par contre, le cachet, je ne pourrais pas le garder. Et puis, du ruban, comme ça, j'en ai. Mais je ne sais pas comment tu as fait ton truc. Tu as plié. Faut que je regarde ton pliage. Alors, on va commencer. Alors, je vous montre les petites fleurs. Que c'est vraiment. Trop trop mignon, mais je pense que c'est elle qui les a faites, hein. Je sais pas, tu me diras, Sabella. Hein. Voilà, là, elle m'a fait une superbe carte en forme de tablier. Alors, pendant que je vous laisse regarder, je lis. Oh, c'est gentil, Sabella. Merci. Bisous. C'est magnifique. Alors, elle a fait un fond avec des tamponnages de petits trèfles. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir. Après, elle est venue faire des tamponnages. Elle a fait des tamponnages qu'elle a détourés, ce petit personnage. Et puis ça en haut là. Et puis la tasse en bas. Et elle est venue faire comment? Un cachet. Et elle a mis quelques perles. Mais c'est vraiment mignon, hein. Oh, c'est superbe. Et puis tout le tour, vous voyez, tout le tour, elle a mis du verre. Le même verre que ses tamponnages et tout est assorti, hein, son tampon aussi. Hein. Et puis, je ne vais pas vous montrer le petit mot, mais regardez derrière.
La jolie fée. La fée des fées. Voilà. Alors, je vais regarder ça aussi. Je sais pas ce que c'est. J'aime beaucoup le sachet parce que je trouve qu'il est. Ah oui, je croyais que ça clignotait plus, mais non. Regardez le sachet comme il est beau. Je sais pas où tu prends ces sachets. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis dedans? Oh, super! Super! Tu sais que des PBA, j'en ai fait pas mal. Hein. J'en fais un petit peu moins en ce moment, mais peut-être bien que je vais m'y remettre. Oh, c'est gentil! Oh, c'est super gentil! Alors, la 3 sur 4, la 2 sur 4, la 4. Ah oui, moi, je fais des séries de 3. Toi, tu fais des séries. Alors, je vous montre. Faisons la fête! Avec sa chope. Et puis le petit trèfle. C'est très très mignon. Hein. Ah oui, tes papiers, tu les mets en 3D. C'est vrai que ça ressort et c'est magnifique. Ouais, j'imagine que c'est des tamponnages de chez. Parce que je me rappelle que tu avais parlé de la Saint-Patrick. Des tamponnages de chez Globeland. Alors elle l'a fait le 8 juin. Alors, aimer aussi, et ça j'oublie moi, des petits fils, vous voyez, très 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 fins. Ça rend bien. Hein. Alors après, toujours faisons la fête, le numéro 2. Alors en haut, elle a mis une pipe d'où sortent comment dire, des trèfles à quatre feuilles. Elle a mis une harpe, la harpe celtique. Elle est venue mettre comment dire, le fond, je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait ou si c'est un papier que tu avais, que tu as utilisé. Tu me diras. Et c'est bien parce que tu as ancré les bords et. Oui, alors elle est venue. Ah, il y a un petit pot. Il y a des pièces de monnaie dedans. Et puis, vous voyez, elle a fait une coulure pour que ça ressorte du. C'est original, hein. Puis, elle a fait plein de petites taches dorées aussi. Ah oui, il y en a sur le petit bonhomme aussi. Alors, la 3. Toujours faisons la fête. Et puis, vous voyez, je ne vais pas vous montrer, mais tout le tour, elle a mis des trèfles. Alors là, je pense que ça, tu me diras, Sabella, c'est un instrument aussi. Mais je ne sais pas le nom. Avec des trèfles. Après, une chaussure avec les trèfles. Et puis là, un bouquet de trèfles. Avec ces petites touches de doré là, c'est très très mignon. Je pense que tu as dû faire. Je pense pas que c'est du papier aquarelle. Tu as dû faire avec du feutre à alcool. Moi, je suis pas très très douée avec le feutre à alcool. Et puis voilà le dernier, le quatrième. Alors il y a le chapeau qui a des trèfles. Qui a même. Oh, c'est très joli. Il y a un petit brillant, mais selon qu'on le met, il est de différentes couleurs. Il y a deux feuilles de trèfle, mais c'est des trois feuilles. Il y a les chaussures, et puis toujours ce brillant. Ouais, là on le voit bien, le brillant sur le. Ici, là. Vous voyez? On voit bien, ça fait plusieurs couleurs. Et puis elle m'a fait un PBA. Lucky. Oh là là. Bonheur. Ah. Oh là là. Et tu m'as mis comme petit mot. C'est encore une autre chose. Oh, c'est bien. Et très gentil ton Timo. Puis elle m'a mis des trèfles partout derrière. Puis regarde, s'il est mignon celui-là. Merci Sabella, tu es trop gentille. Vraiment, alors, qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Hop.
Voilà. Et elle m'a fait comment ça s'appelle? Un ticket bonheur, je crois. J'en ai jamais fait ça. Ouais. C'est beau. Regardez. Ben, j'ai pas ça en fait, ouais, pour le faire. Mais c'est super beau. Puis avec tes petits brins de fil là que tu mets derrière. Oh, c'est super. Merci, merci. Alors, voilà l'objet du délit. Alors, ça, c'est un tamponnat. Ah ouais, c'est les tampons trèfle. D'accord. Après, il y avait. Ah bah tiens, la voilà. Ce que je me demandais ce que c'était. Ah, attendez. Ah non, c'est pas la même chose. Ah bah je sais pas. Ouais. Voilà, ça fait comme des timbres. Et c'est tout sur la Saint-Patrick en fait, hein. Mais j'avais rien. Et puis j'ai un fils qui va beaucoup en Irlande pour la Saint-Patrick. Voilà. Et puis là, elle m'a mis. Bon, écoute. Oh, tu m'as tout mis. Toute la série. Merci, merci, Isabella. T'es un amour. Et puis, non contente de m'envoyer tout ça, elle m'a mis plein de petits scrapbidules. Alors, c'est en une espèce de mousse là. Alors, elle m'a mis des, vous n'allez peut-être pas les voir beaucoup. Elle m'a mis un cœur, deux cœurs, trois cœurs. Oh, ceux-là, ils sont beaux parce qu'ils sont brillants. Ah, bah, tous. Voilà. Là. Ici, c'est un papillon. Ah, c'est bien, parce que j'ai des boîtes pour ranger tout ça. Hop. Comme ça, des fois, quand sur un petit ATC, où on peut rajouter. Voilà, un autre cœur. Et voilà. Oh, c'est magnifique. Sabella, je t'embrasse. Je vais t'envoyer un mail tout de suite. Et c'est vrai qu'on n'est pas loin, enfin qu'on essaye de se voir. Enfin, on n'est pas loin, on est à plus d'une heure, mais à une heure, pas plus, je pense pas, hein, parce que tu as quand même de la belle route. On a évoqué de se voir dans un endroit, et elle, pour y venir, je pense qu'elle doit avoir de la belle route. Voilà. Et j'ai un autre courrier, mais qui n'était pas prévu, qui me vient de Amélie, de la chaîne Créamélis. Alors, Amélie, ben, je ne sais pas ce qu'elle a fait. C'est pas mon anniversaire, c'est pas le sien. On n'a pas beaucoup de jours d'écart en plus. Enfin, si, on en a beaucoup par les années, mais pas par. Oula, oula, qu'est-ce que c'est tout ce qu'elle a mis? Ah! T'es malade, Amélie, ça ne fallait pas. Alors, Amélie, il y a quelque temps, elle a fait. Une enveloppe. Elle a fait un échange d'enveloppes comme ça. Et puis, oh là là, c'est vrai que quand j'ai commencé mon scrap, ça se faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, oh, je lui dis, Amélie, tu pourrais pas nous faire en. Ah oui, tu mets un truc, c'est pas bête ça. Tu pourrais pas nous le faire en tuto parce que je me rappelle plus comment il faut faire. Alors, gentiment, Amélie en a fait une. Je pense pas que c'est celle-là. Je sais pas. Il faudra que j'aille voir ta vidéo. Alors, j'en ai refait. Moi, j'en ai envoyé une déjà. Parce que j'aime bien de temps en temps changer. Ah oui, c'est lors du tuto. Bah oui, c'est bien ce qui me semblait. T'es un amour, Amélie. T'es un amour. Alors, regardez comme elle est belle. Je vous mettrai les références de son tuto. Hein. Je vous mettrai le lien pour que celles qui ne connaissent pas, celles qui débutent, ben, aillent voir. Ça, c'est des petites fleurs qu'on avait chez Action. Il n'y en a pas en ce moment, mais ils en remettent régulièrement. Hein. J'adore. Et puis là, vous voyez, elle a mis une autre couleur. Voilà. Et là, elle a mis. Moi, je n'ai pas des si petites que ça, par contre. Parce que j'ai regardé quand tu avais mis ça, alors je fais autrement.
Mais écoutez, pour les nouvelles, sincèrement, c'est pas très difficile à faire. Et puis, c'est... Oh, t'es trop gentille, Amélie. Alors, vous voyez, c'est des petites fleurs comme ça. Mais ça sent bon. Tu mets quoi dans tes paquets? Du parfum. Alors, elle m'a mis ces petites fleurs. Alors, c'est des petites fleurs qu'on avait chez Action. Alors, ça, c'est des petites fleurs comme du papier calque, vous voyez. Alors là, elle m'a mis des blanches avec des petits cœurs roses. Là, elle m'a mis des roses avec des cœurs roses. Et là, elle m'a mis... Voilà. Et puis, ici... Moi, je vais les remettre dedans. Là, c'est mélangé un petit peu tout. Il y a des mauves, il y a un petit peu de tout. Mais ben, je dois en avoir aussi. Mais j'en ai peut-être bien pas autant que ça de reste. Parce que moi, c'est dans mes boîtes à fleurs. Hop. Et c'est vrai que des fleurs, depuis un moment, j'en utilise moins. Alors là, elle m'a fait deux choses comme ça, en fait. Vous voyez? Comme ça, ben, à la limite, j'ai plus qu'à les poser. C'est bien. Ah, les voilà, les petits. Parce que là, j'en ai commandé chez Temu, mais ils sont beaucoup plus grands que ça. Hein. Ouais. Et puis là, ah, voilà, elle m'a mis ce fond-là. Ou plutôt celui-là. Je ne sais pas. Et avec les petites fleurs. Regardez. C'est super joli. Merci, Amélie. Oh, t'es trop gentille. Et puis, elle m'a mis des petits morceaux de tulle rose, un peu fuchsia, je dirais. Je vais le mettre en double ou en triple pour que vous voyez mieux. Vous voyez? Mais, ah, oh, c'est gentil. Je ne sais plus à qui j'en ai envoyé. Ah si, elle l'a pas reçu encore parce que j'ai regardé, c'est parti dans un truc de Mondial Relais et c'est bloqué à Blois. Oh, c'est quoi? Ben, j'en ai cassé un moi, quelle andouille. Tu me diras, tu fais ça avec de la cire? C'est beau, j'essaierai de le recoller. Ouais. J'essaierai de le recoller. Et puis, ben, pour tenir son enveloppe, elle avait ce petit, cette petite trombone, vous voyez, qu'elle avait pliée pour tenir. Parce que, ben, il faut bien tenir de chaque côté. Ou moi, j'avais une épingle aussi. Mais ben, oui, mais dès qu'on met un peu de volume, ça... Oh, ben, puis, elle m'en a remis là. Oh là là. Regardez, on ne peut pas mettre gros, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis là, elle m'a mis d'autres plus foncés. D'accord. Oh là là. Bon, Béamélie, je serai redevable. Je t'enverrai un petit quelque chose. Mais il va falloir que tu sois un petit peu patiente, hein, parce que là, je suis vraiment à la bourre. Bourre de chez bourre, on va dire. Mais bon. Ça viendra, hein. Tu recevras en temps et en heure. Et puis, hop. Ah là là. Oh, je veux pas casser. Je veux pas forcer pour casser parce que ça serait dommage. Ça serait dommage. Voilà. Et puis toutes ces petites choses-là, on peut mettre. Vous voyez, on ne peut pas mettre énormément de choses. Hein. Mais quand on a un petit envoi à faire, ben, je trouve que c'est sympa de mettre une enveloppe comme ça. Hein. Voilà. Bon, ben, je vais ranger tout ça, récupérer les enveloppes. Parce que j'en achète pas beaucoup d'enveloppes, j'en récupère énormément. Vous voyez, comme là, je vais coller un truc blanc et puis après, je vais la customiser puis elle repartira chez quelqu'un. Oui, alors par contre, je ne vais pas remettre ça dedans. Ça sera plus facile. Voilà. Merci, merci, merci. Je vous dis, les filles, à bientôt. Au revoir.